Bonjour à tous, bonjour la team Biquette, j'espère que vous allez bien. En tout cas, ça fait plaisir de vous retrouver, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou sur mes autres chaînes. Donc, merci à vous d'être là, de me suivre et de me soutenir. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur le jeu Pirate Ship. C'est un jeu sur lequel j'ai déjà fait quelques vidéos, donc n'hésitez pas à aller les voir. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur cette vidéo pour vous montrer le dernier des bateaux frégates. Donc celui-ci, le frégate flamboyant. Vous pouvez toujours aller jusqu'au niveau 10 maximum. Donc là, c'est les fragments de vos bateaux pour le monter. Vous avez minimum 28 places plus 7 places en plus, ce qui vous fera 35 places. Donc pas mal du tout. Vous pourrez mettre au moins un équipement dessus. Vous avez 24 200 de vie dessus. Intéressant, et 7700 de poids sur le bateau. Et sa capacité, c'est réduit les dégâts subis par le feu de 75-95%. Pas du tout flamboyant, quoi. Donc le feu, bah, c'est idéal quand en face de vous, vous avez tout ce qui est lance-flammes. Il y a quelques boulets qui font un peu des flammes, voilà. Il y a certains bateaux qui font des flammes, des collisions de flammes, etc. Donc ça, c'est sympa pour ça. Mais le résultat, ça ne sert à rien. Donc si en face vous n'avez pas de lance-flamme, il y a des trucs comme ça qui font du feu, ce bonus ne vous aidera pas du tout. Donc c'est à double tranchant. Soit ça aide un petit peu, soit ça aide beaucoup. Donc voilà. Mais par contre, pour l'acheter, il vous faut 5800 diamants pour pouvoir l'acheter. Donc assez onéreux. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aidera. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à me laisser un petit pouce bleu sur les vidéos et à cocher la cloche. Ça fait toujours plaisir. Allez, bonne journée à tous et bonne game. Ciao.